Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va parler du nouveau jeu présenté par miHoYo qui s'appelle Honkai Star Rail. Et réellement, le jeu m'a l'air très intéressant. C'est pour ça que je vous le présente. C'est un jeu. Ne me plaît pas, les amis. Vous le savez très bien, j'en fais pas de vidéo et je vous partage pas tout ceci. Du coup, j'ai voulu me renseigner davantage sur le jeu. C'est une nouvelle licence qui va bientôt arriver de la part de miHoYo, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, enfin il y a quelques secondes. Et réellement, je suis assez étonné. Je suis assez étonné. On décale sur leur page. Ils ont déjà montré quelques personnages et tout. Et voilà ce que ça va donner. Ça m'a l'air d'être un jeu tour par tour. Ils ont dit que ça sera un jeu de stratégie. Et les jeux de stratégie tour par tour sur téléphone, les amis, ça m'intéresse énormément, énormément. Je ne dis pas que One Piece Fighting Pass, je laisse de côté. Mais avec les jeux qui arrivent là, cette année-là, ça sera incroyable. Je vous mettrai le lien pour vous préinscrire à la bêta fermée. Mais je vous assure que je suis très très étonné. Ben, je suis tout simplement étonné qui développe un autre jeu alors que ça fait à peine un an qu'ils ont sorti en version globale, enfin en version chinoise et version globale, Genshin Impact, qui est quand même une assez grande licence qui marche très bien pour un open world mobile, un RPG open world mobile. C'est vraiment très 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 beau de leur part. Surtout que ils ont sorti sur mobile et sur plateforme PC. Et récemment sur PS, du coup PS4, PS5. Et vraiment, je suis réellement surpris. C'est incroyable. C'est incroyable. J'attends d'avoir plus d'informations concernant le jeu, concernant du gameplay en temps et en heure, une vidéo pour mieux vous le présenter. Et je vous mettrai leurs réseaux sociaux qui sont ici. Le jeu, pour moi, sera une réussite comme Honkai Impact et Genshin Impact. Du coup, ce jeu, comme vous l'avez vu, il s'appelle Honkai Star Rail. Et pourquoi ce jeu m'intéresse réellement, les amis? Mais en fait, on sort un peu du monde de Genshin Impact, en fait. Et c'est ça qui me plaît. Dans le délire où, un peu, on est dans un monde un peu. Enfin, c'est pas un peu, on est dans un monde fantasy. Fantastique, fantasy. Et en fait, la différence avec Honkai Impact et c'est enfin plutôt le point commun entre ces trois licences, du coup, dont cette nouvelle licence, mais en fait, ça sera un mélange de toutes leurs licences qu'ils ont sorties jusque-là. Comme par exemple là, quand vous voyez ces personnages, quand vous le voyez, en fait, vous allez sûrement me dire que vous faites penser à un personnage de Genshin Impact, qui est sorti il y a pas mal de temps, certes, mais il est sorti il y a pas mal de temps. Il est sorti. Il se ressemble. Et en fait, c'est ça pour moi qui m'a tapé à l'œil réellement. Cette petite touche à droite à gauche des personnages, cette petite touche de Honkai Impact mélangée à un Genshin Impact et tout. Je dis pas non. Certes, comme vous le savez, je suis un testeur. Insane les voix, insane. Danheng, ok. Alors, on a Himeko, Welt, on va l'entendre. Ginga ni wa arayuru kanosei ga aru. Ningen no unmei mo kami ni ataerareta michi na demanai. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable. On va l'entendre, elle. そう、これは氷の星。OK OK OK。でも枯れ果てたわけではないの。OK d'accord。さあみんな、ようこそ。私たちが開拓する新世界へ。
Discours un peu long, mais ok, d'accord. Pour le moment, ils n'ont pas prévu encore de date concernant ce jeu, mais je pense qu'il sera prévu pour 2022 et qu'on aura une bêta très prochainement. Déjà, il y a la bêta fermée qui arrive là bientôt. Du coup, on va aller voir un peu sur leur site ce qu'ils disent. C'est ok. On va juste prendre ça parce qu'on est intéressé que par ça. Ok. Alors, on va faire la traduction auto parce qu'on n'a pas le temps. Ce test de bêta fermé aura un nombre limité de participants et gratuit et toute progression du compte sera sur... Bon, ça, on est au courant. Nous pouvons accorder qu'un nombre limité d'accès à ce jeu. Merci de votre compréhension. Comment participer? S'inscrire. Je vous mettrai le lien d'inscription à la bêta, bien sûr. Vous allez ici. Vous faites inter... Je vais vous mettre directement le lien, comme ça vous galérez pas. Moi, je l'ai déjà rempli. Et je crois que c'est fait par adresse IP, parce que je peux pas m'inscrire davantage. Bon, c'est pas grave. Et du coup... comment s'inscrire? Accéder à la première page d'inscription de la bêta, remplissez le sondage d'inscription, puis soumettez-le. L'Express Crew, choisira au hasard certains testeurs, parce que je sais pas comment le dire, Trailblazer. D'accord, ça sera le nom des joueurs qui sont dans le monde de ce jeu, ok, dans cet univers plutôt. Leur accordera l'accès au test bêta, c'est-à-dire que ça sera par sélection, et ça c'est bien, ça sera pas les premiers qui rejoindront nos serveurs qui pourront joindre le jeu. Chaque identifiant de compte MiYoYo ne peut remplir le sondage d'inscription qu'une seule fois. Aucune modification ne peut être apportée après avoir soumis le sondage. Vous ne pouvez pas soumettre à nouveau le sondage. Veuillez vous assurer que toutes les informations que vous fournissez sont exactes et complètes. À propos de la première éligibilité à la bêta fermée, après la clôture de la première enquête d'inscription à la bêta fermée, l'équipe Express informa les 13 blogueurs gagnant par email et SMS aux coordonnées fournies dans l'enquête. SMS, on va dire pour le moment que email. Ah, du coup, SMS pour iOS et PC. Du coup, ça sera iOS et PC pour cette bêta fermée. Veuillez vous assurer que vous disposez de plus de 10 gigas. Ok, ça rigole pas. iOS 12 ou plus, iPhone XS, iPhone XR ou mieux, iPod avec processeur Apple A12 ou supérieur pour les tablettes chez Apple, et PC, Windows 7 ou version supérieure avec une Intel i5, 8 Go de RAM, carte graphique discrète et Nvidia GeForce GTX 970 ou supérieur. Attention, vos droits d'accès bêta seront liés au PC ou à l'appareil iOS, comme je vous disais au début. J'avais stipulé, mais c'était pas à l'adresse IP, mais c'est plutôt à l'ordi. Ou à l'appareil sur lequel vous vous connectez pour la première fois. Chaque compte ne peut être connecté que sur un appareil PC ou un appareil iOS pendant la bêta fermée. Votre compte sera bloqué si vous essayez de vous connecter sur un nouvel appareil par la suite. Et vous perdrez l'accès à la bêta fermée. Les canaux d'appel ne seront pas disponibles pendant la première bêta fermée. Pour protéger, c'est-à-dire qu'ils ont prévu d'autres bêtas. Ok, pour protéger les intérêts de chaque trailblazer, veuillez ne pas partager, vendre ou donner votre compte bêta. Votre pack d'installation, votre éligibilité et toute autre information connexe à des tirs sous quelque forme que ce soit, les canaux d'appel pour les comptes bloqués ou disqualifiés ne seront pas disponibles pendant la première bêta fermée. Ils ont prévu sûrement de faire d'autres bêta fermées et ça c'est un bon point. Si vous êtes un enfant de tel que spécifié par les politiques de protection, bon ça on connaît, c'est au cas où on est mineur, si vous êtes mineur, faudra préciser, vous connaissez les Chinois, avec la nouvelle loi qui est passée où les gens sont limités à jouer 3 heures par semaine, où les mineurs sont limités à jouer à 3 heures par semaine, ils sont obligés de passer par... un représentant légal, un tuteur
pour avoir la possibilité de jouer plus ou de ne pas avoir de problème par la suite au cas où si le jeu, après avoir sorti le jeu, s'ils ne veulent pas mettre leur carte bancaire ou autre, à force d'être accro ou autre, ou pour autre raison. Du coup, on continue un peu les voix de Voice. On était sur elle, on décale sur lui. Sibete, Pramia Samano Kokagoga Atenokoto. Enfin, entre. Kono Shiro Dakewa, Fuzai Jidai Kara Imamade, Fusetini Okasarete Mono, Eni Atataka Imamananda. C'est incroyable les voix! Déjà, juste lui! Juste lui là, sa voix elle est. Kimitachi to Ishoni Kitaino Yamaema Daga, Himeko ni Tomerate Itena. Yes! Wakamonotachi ni Yujo Hagukumu Kikayo Yaretonokota. Je dis yes! Mais oui, je dis yes! Yes! On continue sur les trois derniers. Elle s'appelle Syl, ok? Moi. Ok, pour le moins. Ok. D'accord, ok. Pour moi, pour le moment, la meilleure voix que j'ai mise chez voix féminine, c'est celle-là. C'est celle de Marge Sevens. Ça se voit qu'elle a l'air cheatée. Ok, j'apprécie fort. On va voir la petite. Oh! Elle parle pas, la petite? Voilà, je me disais bien. Ok, j'apprécie fort. J'apprécie fort les amis, j'apprécie fort ce personnage. Ça m'a l'air d'être une, on va dire une invocatrice, car du coup pendant, tu auras la possibilité d'invoquer. Ah, les graphismes. Oh là là. Du coup, comme je l'avais dit, c'est un jeu de stratégie tour par tour. Et j'apprécie fort le gameplay. Je pense qu'ils vont encore. Vu qu'il fera plus de 10 gigas, ça sera un open world. Ils ont prévu des graphiques et une bande sonore incroyable. De ce que je dis. Dive into an immersive experience, comme c'est précisé ici. Et le jeu, a new title de Honkai Series. On embarque dans une nouvelle aventure astrale. Engage dans une bon, ça dans des combats stratégiques. Ok. Exploration de donjons. Découverte des secrets des Fragmentum avec notre team. Je sais pas s'il parle de la team. De notre team perso qu'on va invoquer ou on va dropper les personnages ou sinon les personnages qu'est-ce que j'ai les personnages ou sinon les joueurs où on aura la possibilité d'invoquer sur eux. Par contre ce petit game par contre ah oui les particules sont super super bien travaillées hein. J'apprécie fort le travail. Ah oui je valide fort. Sur ce, les amis, ça sera tout pour cette vidéo. C'est une belle découverte pour ce jeu. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que vous allez jouer à sa sortie après sa bêta fermée. Je pense qu'il sortira fin 2022. Vu que la bêta n'est pas prête encore de sortir avant la fin de cette année. Sur ce, les amis, je vous dis ciao, à la prochaine. Merci d'avoir visionné la vidéo, petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Peace.